Le drame avait eu lieu dans ce quartier de la Vierge à Raon-l'Étape le 2 juin 2019. Zoher, 24 ans, succombait d'une balle tirée à bout portant en pleine poitrine. L'actualité en bref, c'est d'abord cette affaire jugée à Épinal à compter de ce lundi par la cour d'assises des Vosges. 8 jours d'audience pour y voir plus clair dans les faits qui ont conduit un homme âgé de 46 ans, alcoolisé au moment des faits et qui aurait reçu au préalable un coup de couteau, à tirer à une quinzaine de reprises avec une carabine 22 long rifle sur des habitants du quartier, témoins d'une altercation pour des motifs futiles, avant que le jeune Zoher ne tente de s'interposer et ne soit abattu. Quelques jours plus tard, des centaines de personnes avaient défilé silencieusement dans les rues de Raon-l'Étape pour lui rendre hommage. L'auteur présumé comparé pour meurtre aggravé à caractère raciste, des insultes et des coups de pied auraient été proférés et assénés, y compris après le coup de feu, alors que la victime gisait à terre. Le forcené est également jugé pour 11 tentatives de meurtre et 7 actes de violence avec usage ou menace d'une arme. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Le verdict est attendu le 22 novembre prochain. Un millier d'actes antisémites en France. Une déferlante la plus puissante qu'ait connue notre pays depuis l'occupation. Menace la République. Des tags, des insultes, des agressions, près de 1200 actes antisémites ont été observés en France en un mois depuis le début du conflit entre le Hamas et Israël, soit 3 fois plus que sur toute l'année 2022. Dans les Vosges, des menaces de mort avaient d'ailleurs été proférées envers la communauté juive spinalienne mi-octobre par un individu qui a été arrêté. Une déferlante de haine qui a conduit le collectif Vivre Ensemble à organiser ce dimanche un rassemblement qui a réuni 250 citoyens environ, élus et membres des différentes communautés religieuses. Tous ont condamné ces actes de violence et de haine qui, je cite, « rappellent les heures les plus sombres de notre histoire ». 150 personnes se sont également mobilisées à Raon-l'Étape. Des manifestations qui faisaient écho à la marche parisienne contre l'antisémitisme, à l'appel de Gérard Larcher, le président du Sénat, et Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale. Une flamme pour ne jamais oublier. On termine cette page de brève avec les commémorations de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Selon la tradition, les élus et la préfète, anciens combattants et cadets de la gendarmerie, se sont réunis la veille au monument aux morts situé place Foch à Épinal, lieu baptisé d'après le maréchal du même nom qui a signé le 11 novembre 1918 la fin des combats. D'autres cérémonies ont été organisées dans le département ce samedi, comme cet hommage rendu à toutes les victimes de la Grande Guerre au cimetière américain du Kekman à Dinosé. La France a perdu 1 400 000 soldats au front.